ci nessuno. Bon, c'est pas facile d'analyser un match tout de suite comme ça, mais en général, je crois que c'était un match plaisant pour voir, avec beaucoup de situations. Je crois que on a venu ici à faire le meilleur possible. On a cherché les 3 points. On était face à une grande équipe comme le Azerbaïdjan. Nous, on est une équipe qui faut savoir, une équipe de formation, mais je crois que malgré la situation qu'il a eu déjà, on méritait un peu plus. Malheureusement, en décision arbitrale, encore une fois pour Cassagna, très léger, en situation, mais bon, quand un supporter comme ça influence beaucoup, ça fait la pression, on sait ça, mais. Je tiens à féliciter mes joueurs. Je crois que surtout dans cette période, on a fait un très beau match. Et malheureusement, on a souffert la blessure de Rami. Mais bon, malgré tout, je suis satisfait. On est dans le bon chemin. Je crois qu'il faut qu'on continue à corriger des erreurs, de la confiance. Mais il faut savoir que jouer d'une façon comme ça, face à une équipe comme Raja, que ça fait pas mal de temps qu'il est ensemble, un public formidable, c'était pas facile pour les joueurs, mais je suis fier de mes joueurs, de la prestation qu'ils ont fait. On a commis un erreur qui c'était infantile dans la première mi-temps, dernière minute additionnelle. Les joueurs, pour pas dégager un ballon, bon, on a commis cet erreur, mais si un ballon de penalty, on a retardé un petit peu l'action. C'est le football. Le football, c'est un jeu des erreurs, c'est lui qui commet moins des erreurs, c'est qui gagne. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est clair, coach. Alors, on passe aux questions. De Talal. Ahmed Talal, le 7e du tout d'abord, coach, depuis le début du championnat, on a vu Hassan Yadagadir qui joue un style plutôt offensif. Aujourd'hui, contre le Raja de Casablanca, on avait un style plutôt défensif. Ce style de jeu défensif est dû à quoi aujourd'hui? Je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas un style défensif. C'est Raja qui a attaqué et nous on essaie de parfois, c'est l'adversaire qui te pousse. Mais nous on n'a pas venu à se défendre, on a venu à se défendre avec le ballon et essayer d'attaquer de deuxième période. C'était la preuve. Mais bon, ce n'est pas un changement, c'est le rival qui te pousse parfois. Merci, coach. Vous avez parlé d'un arbitrage léger. Est-ce que vous croyez qu'il n'était pas pour les deux équipes? Je parle de la dernière décision, le penalty. Hein? Le penalty, c'est inexistant. Hein? C'est pas dans la télévision. Et celui de Hassanir? Clair. Je crois que tout le monde l'a vu. Vous ne êtes pas d'accord avec moi. Karim, bonsoir, coach. On a remarqué d'avant-temps de la deuxième mi-temps, vous commencez à gagner la bataille du milieu de terrain. Est-ce que le fait de faire ce changement tactique, de faire entrer Cristiano et faire reculer justement Gérald Taulier en tant qu'arrière droit, nous a handicapé un peu le milieu de terrain de Cristiano? Non, je ne crois pas. La situation de Cristiano, il était dans la main de touche parce qu'il était en blessure, il était 15 jours sans entraînement. Je savais qu'il ne pouvait pas tenir les 90 minutes. C'était un plan, soit que ce soit les matchs, il va rentrer dans son période. Logiquement, on perd 1-0, il faut mettre plus attaquants. Et même les côtés, l'arrière-droit de l'autre côté, c'était un peu compliqué. Il faut renforcer les couloirs droits, il faut jouer avec plus avançants pour essayer de les égaliser. Chose qu'on avait trouvé. Mais ce n'est pas une question d'handicaper les montées de terrain. La question du système, je dis les joueurs, je ne crois pas trop dans le système, c'est l'occupation de terrain. Si on fait une bonne occupation de terrain, ça n'intéresse pas le système. Dans la deuxième période, les joueurs de Cassagna, je crois qu'ils ont été courageux, déterminés, surtout pour gagner les duels, tout ça, et on a essayé de garder le ballon et pour gagner le terrain. Je crois que c'est ça la différence. Merci, coach. السلام عليكم جلال، انت مع انك قائد على فريق حسن يزهر
الحاله دي حيث هي مغايره تماما عن السنوات الماضيه. تابعوا مجموعه تاع المدربين كاين انسجام، واش هذا الاستقرار وهذا الانسجام بغينا نعرفوا السر ديالو. اولا نقدم في سهل يعني حتى لا كاليتي تاع اللعبه اللي جات عندنا، يعني زعما الدراري اللي دغيا قدروا يلقاو انسجام مع الجروب، وديجا حتى الجروب الحسني يعني معروف يعني اللي جا دغيا كيتعطينا مع الجروب. وكيف قلت لك راه كان واحد العمل جبار، والحمد لله حتى اللعبه راه كيعطي دوك التعافى فواحد الميدان. وكما كنشوف الجميع راه حنا غاديين ان شاء الله، وما ندري يعني ما كانت ديفيت اليوم ما كانش كان سهله، وان شاء الله نعاودوا في المقابله الناجيه ان شاء الله. شكرا، ميرسي. Donc, coach, comment vas-tu? Aucun petit mot sur la rencontre. Merci. Le coach. Ok. Nous sommes gagnés un match très important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est spécial de gagner le match. Parce qu'il y a beaucoup de supporters. Le match aujourd'hui, le stade est plein. Je pense que les supporters aujourd'hui, ils viennent ici pour. Comme l'équipe gagnée, comme l'équipe se battre, comme l'équipe travaille, comme l'équipe joue bien au football. Et c'est un match difficile parce que l'adversaire joue bien, parce qu'il a un bon joue bien, il y a des bons joueurs, des bonnes organisations. Et c'est très difficile de gagner cet adversaire. Et je pense que pour notre équipe, le pire ennemi, c'est quand on pense que le match c'est facile. Avant de jouer le match, déjà ça a gagné parce que c'est normal. Je pense que c'est pas comme ça. Je pense que notre joueur doit savoir que quand il gagne le match, c'est parce qu'il a travaillé beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons beau. C'est un match qui est très difficile, qu'il y a beaucoup de situations difficiles. Aujourd'hui, je suis surpris parce qu'il y a un penalty à favor de nous. Je pensais que seulement c'était possible de siffler le penalty contre nous. Mais aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour ça. Et il y a des situations difficiles et l'équipe toujours doit réactionner avec cette situation. Ce n'est pas que le match est toujours facile, que tout gagne avec pas de situations difficiles, parce que l'adversaire aussi, c'est un adversaire difficile. Alors, je pense que la première mi-temps, notre équipe a compris ça. A compris que le match est difficile parce qu'il a vu que le match est très pareil. Nous avons avant avec le but de Moussi, c'est bon. Le deuxième mi-temps, je pense que c'est la pénalty, la situation de la pénalty, que c'est la chance pour conseguir le match nul. Maintenant, je ne peux dire si c'est pénalty ou non parce que je ne vois pas l'image. Mais okay. Je ne dis rien. Mais la chose positive, que c'est la réaction de l'équipe en ce moment, à la dernière moment de le match, avec une situation difficile parce que quand c'est le but de le match nul, l'équipe a réactionné bien, nous sommes avec l'actitude et la pensée que nous pouvons gagner le match, pensée que nous pouvons faire le deuxième but. Et le dernier moment, je pense que c'est très positif pour l'équipe, pour cette réaction que c'est important. Et finalement, il y a une victoire très belle. Je pense que c'est une victoire pour notre supporter parce qu'ils sont maintenant à l'estade. Ils sont très fiers avec l'équipe, nous sommes aussi très fiers avec les supporters, et c'est important que nous sommes ensemble pour toute la saison. C'était clair, coach. Merci beaucoup, Thomas. Bonjour, Thomas. Bonjour, Thomas. Bonjour, Thomas. Bonsoir, coach. Qu'est-ce qui m'encourage aujourd'hui pour gagner avec un grand score comme d'habitude? Quoi? Qu'est-ce qui m'encourage aujourd'hui pour gagner avec un grand score
comme d'habitude, 4-1, 5-1. C'est possible, même si toi, tu ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est le problème. Le problème, c'est ça que quand tu viens ici, tu sais, non, aujourd'hui, 5, demain, 4, demain, 6. Ok. Quand tu penses que c'est facile, tu es habitué à gagner 5-0, tu es habitué? Oui. Oui. Quand... Avec vous. Non, c'est pas comme ça. C'est pas une fois, c'est trois fois ou quatre fois dans cette saison. Non, mais nous devons donner l'importance que c'est gagner chaque match. Chaque match, c'est très difficile. L'adversaire, aujourd'hui, l'adversaire est allé à la top de la classification. Oui, non? Oui. Ah, oui. C'est que c'est difficile. Je pense que la question que tu m'as fait, je pense que renforcer mon idée. Quand nous pensons que c'est facile et que déjà c'est gagné 4-0, 5-0, et comme ça, c'est le pire problème pour les autres joueurs parce qu'ils commencent à penser que c'est pas nécessaire, c'est, nous ne besoin pas de travailler, nous ne besoin pas, c'est seulement jouer. Tiki-tac, comme tu dis, c'est comme ça. Mais je pense que moi, qu'est-ce que je dois faire, c'est travailler avec l'équipe pour mentaliser toujours l'équipe que le travail c'est important, que l'organisation c'est important et que finalement le gagner c'est le process de beaucoup de personnes qui travaillent bien, de chaque joueur qui travaille bien et chaque joueur à son position. C'est pas, nous ne sommes pas une équipe que chaque joueur veut faire la situation individuelle, je vais faire le but, je vais faire le but, je vais faire le but. Non, nous sommes une équipe que c'est la même importance de la personne qui pressionne le ballon que la personne qui fait le but. C'est pour ça que aujourd'hui c'est important que l'équipe regardez ou comprenez que gagner chaque match c'est difficile et qu'aujourd'hui c'est positif que finalement nous avons gagné après des situations difficiles. Merci coach. Coach, vous avez un effectif de 15 joueurs qui jouent toujours. Ben Halib, Hedraf, moi je vais. Vous allez jouer chaque 3 jours les demi-finales de la Coupe du Trône si vous pas Rabat. Pourquoi l'absence de l'Ouadi, de l'Ouassili, de Kalouchi, est-ce que vous n'aurez pas besoin de joueurs comme ça pour essayer de faire tourner l'équipe? J'ai toujours voulu jouer avec les joueurs que je pense qui sont les notre meilleurs joueurs. Et je pense que quand, le début de la saison, toutes les personnes me disent l'opposé. Me disent non, tu fais beaucoup de changements. Maintenant, tu me dis que tu joues avec 11. Non, pas des changements. Je dis, vous avez beaucoup de matchs parce que vous allez jouer chaque 3 jours. Maintenant, c'est important. Est-ce que vous n'avez pas peur que les joueurs vont être fatigués? Nous avons besoin toujours le bon travail, de la récupération. Chaque joueur, c'est la responsabilité de chaque joueur de dormir bien, de manger bien, de récupérer bien. Et nous travaillons pour faire que les autres joueurs soient toujours à le meilleur niveau. C'est maintenant, comme tu as dit, c'est vrai, il y a beaucoup de matchs et nous devons voir toujours qui c'est le joueur qui c'est toujours top pour jouer. Mais maintenant, je ne te fais dire, je dois demain et après-demain pour savoir qui fait la bonne récupération et qui est à la bonne niveau pour jouer. Merci. Un peu de silence, s'il vous plaît. On a vu un changement dramatique en deuxième mi-temps, notamment le renforcement de la défense avec un troisième défenseur. Est-ce que c'est dû à la difficulté que vous avez sentie contre cette équipe de Hassania? Est-ce que vous avez senti un autre but venir? Normalement, je connais bien que quand tu fais cette substitution, tu peux dire que c'est défensif. Je pense que non, c'est tout l'opposé. Parce que finalement, nous avons. Nous devons chancer à la dernière minute, chancer mentalement, chancer tactiquement. Et nous devons jouer à ce moment avec des joueurs nouveaux, fraîches. Fraîches, tu m'as compris ça? Fraîches, tu m'as compris? Frais. Quoi? Azúcar. Non, fresco. Fresco. Avec je dois donner à l'équipe à ce moment une réaction. Et nous devons le changement tactique, c'est pour faire jouer plus offensif à une différente position et aussi pour donner à l'équipe très forte. Mais si nous ne gagnons pas les matchs, tu me dis que c'est un changement défensif, mais nous avons gagné, c'est bon. C'est clair, écoute, arrête, je peux scolier. Est-ce que vous pensez que les places sont chères au Raja? Quoi? Les places, est-ce qu'elles sont chères au Raja? Je ne comprends pas, excusez-moi.
les places, les positions. Titulaire. La titularisation est-elle chère ou pas? Il y a une concurrence dans l'équipe, il y a un travail, il y a les entraînements, il y a la... Et j'ai déjà dit que moi, toujours je vais jouer avec notre meilleur joueur et je dois choisir, je dois faire aussi que chaque joueur respecte le travail et respecte les entraînements et j'ai besoin toujours du joueur qui veut travailler, qui veut comprendre la tactique, les entraînements, le travail. Et ce que je veux toujours, c'est gagner chaque match. Je joue avec les joueurs que je pense que sont idonés pour gagner les matchs. Idonés, c'est bon. Ok? Vous êtes en Coupe du Trône, qualifié. Coupe du Trône, de la règle. Qualifié en championnat, au premier. Est-ce qu'on peut comparer le Raja à une équipe espagnole, le Barça ou le Real? Parce que nous sommes maintenant en une situation sportive positive. Et je pense que maintenant l'équipe, si quand, à le début de la préparation, te dit que maintenant sommes en cette situation, c'est difficile de penser que c'est comme ça. Maintenant l'équipe, chaque jour travaille bien, il y a un bon travail. Mais toujours, nous devons regarder plus en avant, nous besoin plus de travail, nous besoin plus d'organisation, nous besoin... maintenant, c'est rien. Nous sommes au travail, au schéma, mais toujours nous devons travailler plus. Demain nous devons travailler, après-demain nous devons travailler. Et toujours, maintenant l'équipe doit être ambitieux. Travail. Et maintenant, je pense que nous sommes maintenant à le niveau que Raja demande. Raja demande toujours l'équipe à un niveau important. Et maintenant, nous sommes là. Mais nous devons être très humiliés. Et travailler bien et aller soyez. Soyez, c'est grave en Égypte. Merci. 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 Mer